On volait du bédon aux gens, tu vois. Ce qui m'a valu des brûleurs de cigarettes que j'ai eu là. Parce qu'on m'a rentré dans... Parce qu'en fait, là, vous voliez pas des institutions, vous vouliez des bandits. Non, au début, on volait les institutions. Après, on a compris que les bandits, ils n'allaient pas aller au commissariat en disant « Ouais, on m'a volé deux plots, t'as vu ?» Donc, on est parti là-dessus. Et puis, un jour, ça guise pas le hasard, mais on n'avait même pas changé de sac. Donc, je sais pas comment, le sac, il est revenu. Parce que les mecs, comme ils ont eu une perte dans leur terrain, ils cherchaient du bédo. Mais ils sont retombés sur leurs affaires, t'as vu? Et nous, on donnait ça à des grands. Et ils ont reconnu leur bédo. Voilà, leur produit. Par le sac de sport déjà. Et tu sais, il y avait les tampons à l'époque, les mecs. C'est plus des faits. Il y en a, ils mettaient même des pièces marocaines et tout le temps. T'avais le signe Merco et tout. Et le mec, il leur a dit non à moi et au poteau. Et vas-y, ils nous ont ramassés, ils nous ont ramenés dans la cave, t'as vu? Ils nous ont un peu chicoté. Et moi, t'as vu, à l'époque, je fumais pas. Et le gars, j'ai dit, t'as une cigarette, c'est moi, je me suis écrasé parce qu'ils avaient commencé à m'en écraser, j'en ai écrasé une là. Il a vu que j'allais pas céder.